Yo les gens, c'est Lou Spencer et Martin Dalen et aujourd'hui c'est les Scooter Check. Donc on va commencer par les petites poignées, donc petites poignées Audi bleues, elles sont sympas, elles sont bien confortables, Ensuite on a la petite blende thermale, donc c'est une des barres alu, 65 par 60. Donc ensuite on passe au SCS, le SCS blend basique, pas mal de gens. Là on a le spacer dissidence, donc c'est un spacer quoi. Ensuite on a le petit gilet des tilts, donc ça vraiment c'est de la bombe, ça tourne super. Ensuite on a la petite fourche, voilà, compresseur, c'est pas mal, franchement elle fait son top. Et l'adaptation sur le système de compression, donc ICS, HIC et SS, c'est pas mal. Et petite roue Eagle, donc je vais rouler arrière. Et le petit deck étiqueté Rawan. Voilà, je le reteste. Un peu de jeu dans le frein, mais sinon c'est de la frein. Bon bah mon tour maintenant, donc j'ai des poignées éthiques noires qui sont vraiment abîmées. Bon, faut dire que j'en prends pas trop soin, sinon elles sont vraiment pas mal. Une barre Adi, donc en acier, une barre en Y en 62. Collier de serrage basique, donc un blunt de vis en bleu. Ça va pas trop avec ma trotte, mais il sert bien et j'ai pas de problème, donc je le garde quoi. J'ai un jeu de direction Urban Art que j'ai depuis vraiment longtemps, donc c'est vraiment une tuerie, il tourne super bien, pas de jeu parfait. J'ai une fourche comme oui, Urban Art Compressor, qui est super solide, vraiment vraiment super quoi. J'ai des pegs Blazer Pro, donc eux ils sont nuls, ils sont rouges et ils sont vraiment tordus maintenant, donc je vous les déconseille quoi. J'ai deux roues 841 qui sont vraiment parfaites, donc bonne tenue de route et elles sont hyper agréables. J'ai un petit deck éthique Inworm V2, parfait, je l'ai depuis pas très très longtemps, il est vraiment super contrairement au V1, hyper résistant et il a été conçu pour être vraiment stable en cœur, en rail, etc. Donc il est parfait. Et j'ai un petit grip éthique. Faire un test moi aussi. Ça va. Donc là on va faire des tapis. Bye.